Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo car je souhaiterais vous faire partager mon contentement. Nous avons atteint 1000 et quelques abonnés, donc je remercie avant tout les nouveaux arrivants et bienvenue sur la chaîne Amant de soi et des autres. Nous allons tout d'abord faire la rétrospective de ma chaîne à travers ce journal de bord que j'ai réalisé depuis le début de ma chaîne. Ici, j'y mettais toutes mes idées, mes intentions, et je continue à le faire aujourd'hui d'ailleurs. C'est comme un journal de bord, un bullet. Qu'y a-t-il dans ce journal de bord? Naturaire Life. J'étais très motivée à l'époque. Comme au début, quand on est dans un mouvement ou dans un... quand on a découvert quelque chose, on veut faire passer un message, on le dit avec plus de conviction, on paraît même agressif au début. J'étais très motivée. Oh, dis donc. Je tombe sur des petits papiers que j'avais notés à l'époque, sur un carnet d'adresses, et j'avais noté tous mes abonnés. Du début, je m'amusais à noter tous ceux qui s'abonnaient. Au tout début, bon, j'ai arrêté de faire ça. Si vous voulez la preuve, je vous lis les noms des abonnés. Kitty Pouchana, Daniela Portla, qu'est-ce qu'il y a, Peggy Morrow, Métis974, Joanne Yanting, qui est une chaîne qui est vraiment, vraiment bien, que je suis d'ailleurs, c'est un coach personnel. Ces vidéos sont très intéressantes. C'est une personne qui est inspirante, qui donne de très très bons conseils. La connaissance des produits chimiques, des végétaux, tout ça, les revues, soins et beauté, l'hygiène végétale. Donc vous voyez, j'extrais des éléments de magazines, je colle, je légende. Afin de maîtriser le vocabulaire. Ça, c'est typiquement Napi aussi de le faire, ça. De maîtriser le vocabulaire, Napi, entre guillemets. De maîtriser le terme Napi, que veut-il dire, d'où il vient, pourquoi il a été galvaudé. Voilà. Donc, tout ça. De maîtriser aussi les produits, les composants chimiques, comme je viens de le dire. Alors, il y a justement un site sur Internet que vous allez trouver. Vous tapez quel cosmétique choisir, que choisir comme cosmétique, et vous voyez défiler les produits sur le marché avec leurs composants. Vous avez une qualification chromatique en fonction des produits chimiques. Rouge, considéré comme chimique, mauvais, voilà, médiocre pour telle chose, et en vert, quand le produit est constitué que de composants naturels et des bienfaits. Et vraiment, je connais du collage, du photomontage, c'est un peu ça. Un petit carnet, vous dites tout ce que vous ressentez, et ça se traduit. Et inconsciemment, vous développez l'estime de soi. Vraiment, c'est ça, l'estime de soi. Ma chaîne ne parle pas que de ça. Hein. Donc, de temps à autre, on abordera toujours ce sujet avec passion. Mais vraiment, la chaîne prend un tournant. J'aborderai d'autres sujets, le bien-être, la spiritualité. Je voudrais vous partager pas mal de choses que je vis en ce moment et vous faire découvrir des modes de pensée, des bouquins, des lectures. Voilà. Donc merci de me suivre et sachez que même si je m'absente, j'ai des phases de silence, je suis là, je reviendrai avec encore plus de choses à partager, à échanger avec vous. Dit Aquarelli, Titinal IDF, dit Hello 972. Alors, il y a beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, d'Africains, il y a un peu de tout dans le monde. Mumu 928.
je lis ça, mais je suis émue parce que je me dis, je les notais sur des petites fiches, des fois on fait des croquis. C'est incroyable, la fille, elle a tout noté les gens, quoi. Je pense que ces gens-là, soit il y en a qui sont pas gentils, qui ont désisté, qui ont dit oh, je me désabonne. Alors vous êtes toujours les bienvenus, hein, toujours bienvenus sur ma chaîne.